Doctor Over, Paul Over, de la Universidad de Aix, Marsella. Desde hace tres semanas. No sabía, no lo sabía. Pero sabía, no sabía. No sabía. Nadie, yo sí. Que... Bueno, con una... ¿Tú tienes PowerPoint? No, Paul, no. Paul, no. Bueno. Con una intervención que lleva por título Arqueología del Hispanismo Francés. No lo he dicho al principio, para mí presidir esta sesión en este coloquio, aparte del desafío y el reto científico que supone, indudablemente, para mí tiene también un componente personal, si me lo permiten, porque para mí ha sido volver a un centro de investigación y de trabajo donde yo comencé realizando mi tesis doctoral hace muchos años. Este reencuentro personal con la institución me ha permitido también el reencuentro con algunas personas, con algunos colegas, con algunos académicos a los que conocí en aquella época y de los que tengo un enorme recuerdo en lo personal y, sobre todo, un gran respeto intelectual. Me gustaba, quería decir esto al finalizar mi presencia aquí, entre ellos el profesor Paul Over, desde luego también el doctor Jean-Marc Delaunay, y para mí es, en este sentido, un lujo y una satisfacción personal el reencuentro con personas a las que tengo un enorme reconocimiento académico y un gran respeto también personal. Y todo esto para decir que va a cerrar la sesión Paul Over. Gracias, Paul. Muchas gracias. Para mí es gran motivo de satisfacción hablar bajo la presidencia de Pedro Pérez Lillo, a quien conocí, bueno, hace ya mucho tiempo, y también volver aquí, invitado por varios colegas, lo cual me permite volver a encontrarme con muchos amigos. Sé hablar castellano y hablo castellano, pero en Cataluña, aquí. ¿Cómo me pusieron el título en francés? Tengo apuntes en francés y sin duda es mejor que me sirva de ellos en vez de hablar en español e improvisar en español. Le titre peut sembler provocateur en suggérant que l'hispanisme est au dixième sous-sol et que l'on a du mal à en percevoir la production puisque celle-ci s'est fragmentée dans ses objets autant que dans ses méthodes, ou a disparu sous les strates d'un savoir utilitariste et sous les assauts de la raison universitaire communicationnelle. Il l'est. Il pourrait être plus descriptif que performatif et devenir aux origines de l'hispanisme français. Dans ce cas, on aurait tort d'y voir une étude de l'archéologie en Espagne, qu'en venant d'un amateur comme moi, elle ne peut pas être exhaustive, même si elle se fonde sur des notes anciennes. Ce titre surprendra peut-être moins le lecteur de Michel Foucault, attentif aux étapes ou aux modalités de constitution d'un savoir, aujourd'hui dispersé, et dont on aurait du mal à parler. Mais c'est de cet entrecroisement et de sa généalogie qu'il s'agit. Car un savoir, c'est ce dont on peut parler. Mais c'est aussi l'ensemble des conduites qui justifient ou provoquent. Donc mon propos tendra surtout à montrer ce que l'hispanisme doit à Pierre Paris, c'est-à-dire ce qu'il y a dessous, ce qui est enfoui, ce que parfois on n'a pas envie de voir. Quoi qu'il en soit, je remercie messieurs Calgarin et Morales ainsi que le professeur Michel Bertrand pour leur aimable invitation. Je leur suis reconnaissant de reconnaître mes talents d'archéologue, car j'ai fait des trous sur l'oppidum d'Ambrussum, sous la férule d'un négrier dont le nom me reviendra au moment de la publication, mais qui était issu de cette maison. Il nous disait tout simplement que si la nécropole n'était pas à droite, c'est qu'elle était à gauche, il nous laissait les pelles et les pioches, et il revenait la semaine suivante. Et si elle n'était pas au nord, elle était au sud. Puis il revenait, il répétait l'opération. Ensuite, le chantier a été coordonné, si je puis dire, par des gens qui, me semble-t-il, ne sont pas passés par ici, mais qui étaient au CNRS, c'est-à-dire Jean-Luc Fisch et Bernard Dedé. Chut ! Je ne dirai pas. Je ne dirai pas. J'ai oublié. Non, je n'ai pas oublié, mais je ne dirai pas.
Toi, tu l'as dit, oui. Peut-être, peut-être. Lorsque un philologue distingué par ses fouilles en Grèce, appelé Pierre Paris, commence à parcourir la péninsule ibérique à vélo, l'hispanisme n'est encore qu'une préoccupation récente, destinée à situer les textes des Comédias du XVIIe siècle, trouvés par un conservateur de bibliothèque parisienne. Certes, des récits de voyage ont été publiés au XIXe siècle, mais c'était le pittoresque du pays, son architecture, ses coutumes, qui intriguait plus que son art. Confondant l'imaginaire et le symbolique, l'analogie qu'elle dérivait, il décrivit un monde adapté à un genre journalistique oublié, moitié fable, moitié utopie, disposé à trouver une modernité définitive au détour du chemin. Car toute civilisation a besoin de ses barbares, et même si ceux-ci ont un code de l'honneur, ce n'est pas le nôtre. Par-delà les processus et les régulations que suggère le choix du temps long, il n'est pas absurde de rattacher l'hispanisme non corporatif à l'archéologie. Donc, après les traducteurs et les voyageurs, arrivèrent les érudits, et l'ont pu constater qu'il fallait bien considérer comme hispaniste quiconque avait trouvé une pierre ou un tesson sur le sol péninsulaire. Pour parler de l'action archéologique, je serais incapable, évidemment, de relier mon propos à l'entreprise structuraliste, même si je m'attache à esquiver bien des polémiques et toute une mythologie. L'archéologie, en tant qu'étude des témoignages concrets, matériels des civilisations passées, y compris des causes et des conditions de l'enfouissement et de la redécouverte ou l'exhumation de celles-ci, naquit au cours de la première moitié du XIXe siècle avec le classement typologique et chronologique opéré par Caylus, Winckelmann ou Visconti. Ça, c'est une chose que tout le monde connaît, je ne vais pas m'apesantir. Être archéologue, c'était donc à ce moment, tu ne savais pas ? Tu veux prendre des notes ? Tu veux prendre des notes ? Faire semblant, quoi, bon. Être archéologue, c'était alors faire de l'histoire contemporaine, je veux dire, appliquer des méthodes nouvelles au service d'hypothèses anciennes. L'intérêt de ces antiquisants fut d'abord formel, puisqu'ils s'efforcèrent de décrire les objets trouvés, mais négligèrent l'étude de leur évolution jusqu'à l'ouverture du musée d'archéologie comparée de Copenhague en 1819. C'est d'accord. Qui distinguait en Europe les différents âges de pierre, de bronze et de fer. Lorsque fut fondé 10 ans plus tard à Rome, l'Istituto di Correspondenza Archeologica, après que l'expédition napoléonienne en Égypte eut suscité un engouement pour ce pays, mais aussi pour la civilisation étrusque, et provoqué l'ouverture de chantiers de fouilles sur le pourtour méditerranéen, l'école orientaliste espagnole était déjà constituée autour de Gallangos. Mais comme je connais tous les ragots, Gallangos avait épousé une Anglaise, il était en Angleterre. Il ne venait pas tellement sur la péninsule ibérique. Mais surtout, le territoire de la péninsule ibérique n'avait pas échappé aux pioches des premiers prospecteurs. Et parfois, évidemment, c'était les amateurs. Ils n'empêchaient pas de faire des trous et souvent des dégâts. C'est ainsi que l'orientalisme se dota de bases scientifiques et que le Proche-Orient, qui pour les voyageurs romantiques commençait en Espagne, devint un terrain d'exploration archéologique. Il ne s'agit pas seulement ici de contextualiser les actions archéologiques françaises à une époque où l'Espagne est orientale, sinon africaine, en tout cas méditerranéenne pour Prosper Mérimée, ou tibétaine pour Rémy de Gourmont, et où la découverte de ruines romaines légitimait l'action coloniale des Français et des Italiens, convaincus d'avoir remplacé les Romains au Maghreb au nom de la défense de la latinité face à une germanité conquérante. En effet, depuis les voyages de Humboldt et depuis le mouvement du philhellénisme, ceux-ci prétendaient, dans leur inventaire du patrimoine archéologique, réinventer un sud jusqu'alors traversé, sauf l'Espagne,
Il est vrai que la guerre était fréquente. Tout à l'heure, on a parlé du baron Taylor, bon, qui était quand même plutôt anglais que français, qui venait un petit peu bon, par ici. Mais les fils des bonnes familles anglaises allaient surtout en Italie. C'était ce qu'on appelait le Grand Tour. Ils ne faisaient rarement le détour par l'Espagne. À cette mise en scène de la Méditerranée par les voyageurs après la mise à sac opérée par les consuls européens dans la lignée de l'expédition de Bonaparte en Égypte, succède donc une approche plus scientifique qui cependant n'est pas dépourvue d'arrière-pensée. Lorsque l'expertise de Léon Heuzet, conservateur du département des Antiquités orientales du musée du Louvre, est sollicitée dans une affaire de fonds, celui-ci reconnaît une autonomie à la ribérique et met en place des missions dont bénéficièrent Arthur Angel et Pierre Paris par la suite. La découverte par ce dernier en 1897 de la Dama de Elche et l'invention des ibères, jusque-là me semble-t-il, mais je parle sous le contrôle de mes camarades archéologues, jusque-là connus par les textes, comme c'était le cas des traces, furent les bienvenus, car le permis à l'Espagne, avide alors de régénération, d'évoquer un passé national, d'enraciner en quelque sorte la nation, en lui révélant son histoire antique. Tout en négligeant les conséquences de la perte de son empire colonial et de sa défaite annoncée à Cuba, où le souvenir intermittent, c'est-à-dire jamais vraiment opérant, des séfarades jadis expulsés. On en reparle en gros tous les 10 ans. On crée un institut, on fait une cérémonie, mais ça prouve que ça n'a pas fonctionné. C'est comme les lois antiterroristes, etc. On en refait tout le temps. La révision historique fut donc instrumentalisée dans un récit de fondation et de légitimation par les gouvernements de la Restauration et des fins politiques. Il s'agit alors de mettre en scène une nation enracinée à nouveau dans l'histoire. On ne peut séparer la production d'un savoir sur ce passé des sollicitations politiques qui pesèrent sur lui, ce qui conduit à approfondir les éléments liés à la notion de patrie réelle ou de patrie imaginaire, à tel point que cette histoire hypertrophiée finit par s'ériger en sujet d'elle-même, comme le virent alors Unamuno, Marañón, Ortega, Pérez Ayala et bien d'autres. Or, en Espagne, pour de nombreux voyageurs, la réalité, ce fut d'abord le passé, les monuments, les pierres. D'autant plus que ce pays défait, qui n'était pas encore un pays musée, ne semblait intéresser personne, sauf alors quelques chercheurs allemands. C'est alors que se développe l'archéologie étrangère en Espagne. Sur la volonté de connaître par-delà les vestiges de l'époque romaine, ceux de la période arabe. Mais cette archéologie tarde à s'institutionnaliser. Car si les Allemands fouillent le sol péninsulaire depuis l'arrivée de Émile Hübner autour de 1860, bien que l'Institut archéologique allemand n'ait été créé que bien plus tard, en 1943, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le but est de recopier les inscriptions romaines de la péninsule en vue d'établir un corpus dont le deuxième tome, qui parut en 1869, devait être consacré à la péninsule ibérique. Par la suite, Hübner s'intéressa aux inscriptions romaines de Mérida en 1894, avant de publier en 1899 une étude sur Cáceres, dans laquelle Manuel Gómez Moreno vit en 1912 l'éruption de la science dans l'archéologie classique espagnole. Cet aura dont fut entouré le travail de Hübner lui permet de porter un diagnostic sévère sur l'archéologie espagnole, sur l'état de l'archéologie espagnole. Ces critiques portèrent leurs fruits puisque, en 1901, on approuva le règlement des musées de l'État, qui serait placé désormais sous la tutelle du corps des archivistes, des bibliothécaires et archéologues, autrefois appelés tout simplement antiquarios. Et ce n'est que dans le dernier tiers du XIXe siècle que l'on entreprit des fouilles
près de Cordoue et que l'on commença à fonder des musées archéologiques. À la fin du siècle, arriva Adolf Schulten, qui marqua l'école allemande une décennie durant et consacra ses travaux aux sites de Numans et de Mérida. Mais la première chaire, que je sache, d'archéologie arabe à Madrid n'a été créée qu'en 1915 pour Manuel Gómez Moreno, dont il est intéressant de suivre l'évolution, car il considère d'abord la présence arabe comme une catastrophe et plus tard comme un élément de la culture espagnole. C'est donc, me semble-t-il, sur ses débuts et sur la faiblesse de l'archéologie espagnole que se constitue l'action française. En effet, l'institutionnalisation tardive de l'archéologie espagnole est due au fait que les chercheurs, initialement, furent plutôt les historiens, comme Francisco María Tubino ou le comte Vega de Celia. Le premier chantier fut ouvert à Osuna, le premier chantier archéologique de fouilles archéologiques fut ouvert à Osuna en 1903 par deux Anglais, Bonsor et Angel, un peu avant, vous l'appelez Angel. Oui, bon, enfin. Mais je vais peut-être trouver une grammaire anglaise, je ne sais plus, bon, enfin bon. C'est-à-dire un peu avant la création de l'école des hautes études hispaniques en 1909. Furent aussi créées les premières chaires d'archéologie en Espagne, tandis que l'on supprimait la Escuela Superior Diplomática, c'est-à-dire l'école des chartes espagnoles, et que l'on régulait les travaux de recherche par une loi de 1911. Cette figure scientifique du spécialiste étranger ne manqua pas d'irriter un témoin comme Miguel de Unamuno, qui pourtant fréquentait cette maison, entretenait une vieille amitié avec Jacques Chevalier et avec Maurice Legendre, mais ne supportait pas ces scientifiques en blouse blanche qui venaient dire aux Espagnols ce qu'ils furent et surtout ce qu'ils devraient être. L'Espagne produit cependant ses catalogues monumentales, organisés par une commission mixte des deux académies, dont les premiers volumes paraîtront au cours des années 20. De nombreux chercheurs, souvent incompétents, furent encouragés à produire leur propre catalogue. C'est ainsi qu'apparaissent beaucoup d'érudits locaux qui, faisant fi de cette fameuse loi d'excavaciones de 1911 et du règlement de 1912, continue à faire des trous un petit peu partout. Les sites les mieux subventionnés alors sont ceux de Medina Zahara, Mérida, Itálica, Numancia et Sagunto. Mais certains chantiers de fouilles, comme ceux d'Ampurias, à partir de 1908, puis ceux des peuplements ibériques du Aragon, dirigés surtout par Bosch Gimpera, qui revenait de Berlin à cette époque-là, donc juste au moment de la Première Guerre mondiale, où il était parti avec une bourse de la Junta para Ampliación de Estudios. Ces travaux étaient financés par le service d'intervention archéologique dépendant de la Mancomunita et supervisés par la section archéologique, historico-archéologique de l'Institut toutes des studies catalanes, c'est-à-dire de cet institut monté par un disciple de Ginel de los Ríos, un professeur d'histoire de l'art, appelé Joan Pijuan. Bosch-Gimpera a commencé à ce moment-là son enseignement, mais une vieille rivalité entre Bosch et Martorell, qui souhaitait, me semble-t-il, bureaucratiser la recherche, puis à partir de 1917, une crise et le coup d'État de Primo de Rivera contribuèrent à supprimer les crédits dont bénéficiaient ces institutions catalanes. L'évolution se traduit aussi par une réorganisation des musées
la création des premières chaires d'archéologie à Madrid, à Valence, à Barcelone et à Valladolid, c'est-à-dire entre 1900 et 1925 en réalité. Les archéologues mettent du temps à s'installer sur toute la péninsule. Donc au cours du premier tiers du XXe siècle, l'archéologie espagnole s'institutionnalise dans un contexte où s'amenuise la francophilie et où c'est l'Allemagne qui attire les jeunes doctorants soucieux d'acquérir une formation. Mais l'archéologie espagnole connaît un essor illustré en 1920, en 1929, par le congrès organisé par Bojimpera à Barcelone, le congrès, je crois que c'est un congrès international mondial d'archéologie, qui a un grand retentissement, qui contribue à consacrer les usages politiques de l'archéologie, et notamment pour le fondement de l'histoire nationale. Donc on passe de l'archéologie romantique à une archéologie qui se veut scientifique. Au tournant du XXe siècle, surgit une nouvelle vision du monde qui ne se fonde plus seulement sur l'héritage d'une tradition. En Occident, la philosophie, l'idéologie politique, les avant-gardes sont transnationales et cosmopolites, surtout lorsqu'elles ont dû se former à l'étranger ou vivre l'expérience de l'exil. Comment la rencontre de l'ailleurs modifie-t-elle la perception du national? C'est à l'étude, a contrario, de cette subtile réappropriation d'un passé oublié et d'un ailleurs délaissé qu'opèrent les autorités espagnoles. En effet, l'Espagne, qui semble avoir perdu ses racines, a du mal à être méditerranéenne. Bien qu'elle n'ignore pas la redécouverte de son passé enfoui, il s'agit de voir quelle est la nature, la signification et la portée donc de cette action culturelle étrangère à un moment où, par-delà la géographie, certains Espagnols crurent redécouvrir un passé historique dans la Méditerranée, oublié longtemps au profit de l'Atlantique. Par-delà l'orientalisme, donc, l'historiographie libérale, à l'heure d'écrire l'histoire nationale, chercha les origines de la nation. De Modeste de la Fuente à Rafael Altamira, les historiens espagnols s'efforcèrent en vain, à cause de l'instabilité politique, d'établir un récit national. On peut faire l'histoire des institutions, mais c'est sur le souvenir des Ibères qu'elles se fondent. On reprend la terminologie grecque. C'est ainsi, semble-t-il, que les Grecs ont appelé les habitants de la péninsule ibérique. Donc, après la redécouverte de nombreux sites, Agadir, Carthagène, Ampurias, et au siècle d'or, on avait repris cette étude des textes de l'Antiquité. Peu importe pour mon propos de savoir si les Ibères furent des envahisseurs ou s'il faut assimiler leur venue aux autres invasions indo-européennes. Ibères au sud, Celtes au nord, il importait somme toute pour les écoliers espagnols de trouver une civilisation. Phéniciens, phocéens, comptoirs grecs, runes romaines puis arabes viennent peupler l'imaginaire historique jusqu'à ce que la vaisselle trouvée sur cette côte méditerranéenne, oubliée, c'est certain, par les auteurs d'un récent dictionnaire de la Méditerranée, ils ont oublié quand même, il y a fait au moins 5 ou 6 000 kilomètres de côte, si on compte les îles, ils ne l'ont pas vu. Donc, on trouve étonnant que cette tradition soit ensuite étudiée à partir d'une sculpture monumentale qui vient confirmer par la représentation animale puis humaine une présence sédentaire à Pozomoro, Cabezolucero, etc. Car il semblerait qu'au fil du temps, ces sculptures aient perdu toute valeur religieuse ou funéraire. Le rejet de cette monumentalité, malgré les divers emprunts au monde grec, selon les lieux, renvoie à une interprétation artistique déjà présente dans la céramique. Emprunt au monde phénicien, au monde grec par la suite, au monde celte du côté atlantique, la question n'est pas de savoir, de mon modeste point de vue,
si les relations méditerranéennes ont pu supplanter celles-ci, mais dans quelle mesure et jusqu'à quel point un trafic s'est maintenu. Pierre Paris, formé à Athènes, s'intéressa à l'Espagne, à la sculpture, avant de découvrir le fameux buste de la Dama de Elche et de voir une évolution symétrique de l'art ibérique et de l'art grec, et de proposer une synthèse de l'ensemble des productions ibériques. Pierre Rouillard a bien montré que l'apport grec ne fut pas assimilé par la société ibérique, et que donc Pierre Paris avait peut-être poussé un peu loin la synthèse ou la confusion entre phéniciens, mycéniens et grecs, trop loin dans son étude de l'Espagne antérieure à la conquête romaine. Il est vrai que la périodisation que propose Paris est parfois un peu vague. Il date la Dama de Elche à quelques 50 ans près, quoi, 450 ans, 440 ans avant Jésus-Christ. C'est un moment où l'archéologie s'émancipe de la philologie et de l'histoire de l'art et où se développent des sciences connexes comme l'épigraphie, la céramologie, l'iconographie. Autre chose était ensuite de doter cette histoire de cohérence, c'est-à-dire de continuité. En présentant la reconquête comme une chevauchée de 8 siècles, une même chevauchée. Pour cela, on peut faire confiance à Mariana, à Modesto Lafuente et même à Altamira, qui a été capable de gommer pas mal de discontinuités. En Espagne, Ortega y Gasset avait même expliqué dans les années 20 aux grandes dames des socialistes avec lesquelles, à ce moment-là, il avait un peu flirté. Le flirt avait cessé. Il avait commencé en 1912, dans les années 20, c'était fini. Mais il expliquait la hiérarchisation de la société par le rôle des Germains, comme ancêtre de cette minorité sélecte, choisie, opposée à l'Empire romain, ce que n'ont jamais confirmé les historiens par la suite, notamment Pyrène, mais explique la liadophilie frileuse et raisonnée du philosophe. Quoi qu'il en soit, le recours à des arguments anciens permet d'alimenter le jeu des causes et des conséquences en confondant antériorité et causalité. Et en tout cas, de trouver une origine à la décadence nationale qui ne conduisait pas le philosophe, hein, je veux bien l'appeler ainsi, même si je le prends pour un sociologue, en réalité. Mais ça, le français le découvre maintenant, si je puis dire. Parce que les Français traduisent peu, notamment Georges Simmel, qui a été le professeur d'Ortega, hein, ou Tonis, dont on vient de traduire les œuvres. C'est-à-dire, depuis 2010, on traduit des œuvres qui ont été publiées en 1912, 1914, etc. C'est pour ça donc qu'on fait de l'archéologie, si je puis dire, honteuse, quoi. Cela explique, en tout cas cela expliquait pour Ortega, cette Espagne, ce corps désarticulé, cette Espagne invertebrada, métaphore qui en réalité avait été inventée par le jeune Maurice Barrès et que Ortega avait reprise à son compte. Donc après que le Nord eut inventé le Sud, de l'aventure du philhellénisme à celle du grand tour romantique, il fallait démontrer l'utilité publique du savoir, et quoi de plus utile alors que l'exhibition des pièces archéologiques qui, comme les cabinets d'histoire naturelle, répandent des connaissances concrètes alors dans le domaine de l'archéologie. Quand je dis alors, je parle des années 10-20. Certes, il s'agit d'une illustration d'un nouveau type de colonisation, on l'a déjà dit. Il n'est plus question de la gestion du site redécouvert en Corvate, en Afrique du Nord ou en Algérie après 1830, puis en Tunisie, enfin au Maroc, sous l'administration du maréchal Lyoté, des structures archéologiques et patrimoniales qui sont révélées, mais de montrer l'héritage romain commun aux deux rives de la Méditerranée. La guerre d'indépendance grecque, sinon l'espagnole, rappela aux esprits romantiques l'histoire et les monuments de ce pays. Un groupe d'érudits, de collectionneurs, de diplomates fondèrent une institution internationale présidée par Édouard Guérard,
tandis qu'un bulletin publié par l'ambassade de Prusse à Rome et dirigé par l'ambassadeur français à la cour de Naples rendait compte des travaux suscités par les découvertes archéologiques, dont l'archéologie pratique naquit par la suite et ne put échapper aux rivalités des grandes puissances qui se répartirent les grands chantiers de fouilles dans les pays méditerranéens. D'abord Éphèse, à la fin des années 60, puis Pergame, Olympie, Délos, Delphes, donc du milieu des années 60 jusqu'à 1903 à peu près. À ce moment-là, Pierre Paris est à Athènes, où on lui reproche l'inutilité de son minutieux travail à Phocide et au Parnasse. Et même lorsqu'il dégage les temples, le temple d'Athéna Cranaïa, l'anglais Orgath sous-entend que l'école britannique aurait fait beaucoup mieux. Ce sont les choix et, les gestion, et la gestion de l'école française d'Athènes qui étaient visés. C'est une vieille rivalité entre Français et Anglais qui ressurgit donc à l'occasion de ce compte rendu. En 1892, l'année suivante, est créé, Orgath reprend à son, la direction de la British School of Athens, qui avait été créée en 1886. Donc cela explique qu'il ait pu considérer le français Pierre Paris comme un rival potentiel et qu'il ait cherché à le tenir à distance. Car les archéologues ont pour eux la cohérence et la durée et la présence physique de leur objet d'étude, sans parler de ce qu'ils nomment maintenant l'apport du terrain, pour nommer le hasard, qui permet la découverte ou l'apparition de la Dama de Elche, par exemple. Donc il est clair que l'archéologie est au cœur des relations diplomatiques et au cœur de la réflexion qui s'engage sur la relation des pays d'Europe méridionale à leur espace national. En croisant plusieurs échelles, du local au transnational, et en envisageant diverses modalités de conceptualisation de ces espaces. C'est-à-dire que l'on peut se demander si l'idée que l'on se fait de la réalité fait partie de la réalité et dans quelle mesure elle influe dans le processus de construction nationale. D'autres que moi ont fait ou feront l'histoire, l'étude idéologique reste à faire de cette maison. Je me contenterai donc pour terminer de répéter à quel point l'arrivée et le maintien de Pierre Paris sur le sol hispanique est au cœur de l'histoire des relations franco-espagnoles et même des relations internationales. En attendant, il serait hasardeux de dire si le savoir-faire archéologique français a permis une amélioration des relations bilatérales. Autrement dit, si les autorités espagnoles avaient besoin des archéologues français pour découvrir leur patrimoine et leur histoire, ou au contraire, si les diplomates français avaient trouvé dans l'offre d'un dispositif archéologique, les moyens de pénétrer durablement en Espagne. À un moment où, il faut quand même le dire, les chiffres du commerce extérieur accusaient un recul net des importations françaises en Espagne. On ne connaissait pas encore, il est vrai, le langage diplomatique de maintenant, qui fait référence au potentiel d'alliance avec les pays hôtes. Mais on ne saurait perdre de vue la collaboration scientifique, ni la systématisation, comme on dit, des coproductions scientifiques avec une archéologie nationale encore inexistante. Les Espagnols qui étaient partis à Paris, de Nonneil à Picasso, y étaient retournés, ou en étaient revenus effrayés par la légende de la Commune, qui inspira en revanche les philologues comme Roque Barcia ou La Calle à la tête du canton de Carthagène. Les relations entre la diplomatie et l'archéologie ont toujours été intenses, sans que l'on sache laquelle est au service de l'autre. 1904 est l'année de l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne. Et bien que les relations culturelles franco-espagnoles s'intensifient au point de permettre à la première pierre, le 26 octobre 1905, du Collège français du Marquès de la Ensenada, c'est encore la prudence qui l'emporte, car on s'apprête à se répartir l'influence en Méditerranée à la conférence d'Algeciras. Bref, l'archéologie est un instrument de ce que l'on commence à nommer
la diplomatie scientifique. Construite comme l'université actuelle sur l'innovation, l'excellence autoproclamée et la diffusion scientifique, c'est-à-dire sur le bluff et sur la communication. Par-delà ce vocabulaire abscon ou trop précis, on peut donc se demander quel est l'enjeu de cette idylle. L'archéologie est un prétexte, les diplomates diront un atout, pour la coopération et pour l'espionnage. Les ruines romaines en Bulgarie ont été exhumées récemment par une mission nord-américaine. La France est, me semble-t-il, en ce moment, le seul pays étranger à avoir une équipe de recherche en Corée du Nord. Allez savoir pourquoi. À l'époque qui nous intéresse, les Allemands fouillent à Zara de los Atunes, les Français sont en face à Belo, et les sous-marins sont dessous, dans le détroit. Mais l'archéologie associe également érudition, savoir-faire et diplomatie. Sans parler des consuls archéologiques, comme Bernardino Drovetti, consul de France en Égypte, dont les collections permirent la fondation du musée de Turin, ou du consul américain Bank à Bagdad, ou de Paul-Émile Botta à Mésopotamie, qui laissa un moment le site de Carthage pour séjourner brièvement en Espagne. Si bien que l'activité des autres chercheurs, à la fois de l'institution, mais des missions nationales, peut paraître bien mince. Les inaugurations d'expositions par les ambassadeurs, les visites de sites archéologiques organisées pour les délégations en mission sur les lieux d'un conflit géopolitique, développaient alors une activité qui relevait d'un mot magique. On parlait du patrimoine. Ensuite, c'est à la faveur d'un échange de missions d'intellectuels en 1916, dont la composition réciproque correspond à l'idée que l'on se fait de l'autre, c'est-à-dire du côté français, les académiciens, les gens les plus réactionnaires qu'on peut trouver, du côté espagnol, des progressistes, les intellectuels, qui étaient assez mal vus chez eux, mais qu'on envoie chez les Français, qui les surveillent d'ailleurs. Manuel Azaña est suivi par un policier en permanence. Il y a un rapport de police. C'est à ce moment-là, après les malentendus, qui au moment de la répression consécutive à l'affaire Ferrer avaient réactivé la légende noire, que les autorités espagnoles décident d'échanger ces missions culturelles afin de développer une connaissance réciproque. Donc après la crise relationnelle qui suivit la réaction française orchestrée en 1909, après la Semana Trágica, et pris la décision de favoriser ces échanges bilatéraux et de fonder la Casa de Velázquez à Madrid, ouverte en 1928, définitivement en 1932, et d'inaugurer le Colegio de España en 1935, dont la mission, semble-t-il, aurait été la même. Mais le Colegio est resté, il faut bien le dire, quoi, une sorte d'hôtel qui n'a pas développé, sauf en accueillant quelques boursiers, la même activité que la Casa de Velázquez. Donc, par-delà l'archéologie coloniale, l'archéologie est liée aux enjeux politiques de l'époque. C'était aussi une façon de contrôler indirectement le pays étudié. On considère que la richesse des vestiges est parfois insuffisante et ne justifie pas un tel traitement. Ce qui n'empêche pas l'arrivée de délégations importantes d'archéologues belges ou français. D'abord, ceux-ci s'intéressent à la préhistoire ou aux périodes romaines. De ce point de vue, Pierre Paris est, semble-t-il, atypique. Non seulement parce qu'il parcourt la péninsule à vélo, donc il essaie de savoir ce qu'il y a dessus avant de connaître le sous-sol, mais aussi parce qu'il a une... Bien qu'au début sa présence soit intermittente, il revient régulièrement, et puis ensuite elle est institutionnalisée par la création de l'école des études hispanique. Ce qui animait Pierre Paris, et en fait c'est le sens de mon propos,
vous avez compris qu'auparavant je m'amuse un peu, c'est le souci de la synthèse qui anime Pierre Paris. Il est agrégé de lettres classiques, ancien membre de l'école d'Athènes. Il avait fait une mission au début sur le fond du legs Eugène Pio en 1997. Et finalement, avait découvert la Dama de Elche, c'est-à-dire qu'en réalité, il avait mis en pratique un conseil que l'on trouve dans une œuvre de Pagnol qui est « Ne te penche pas trop, laisse sonder les autres ». Enfin, on connaissait sa spécialité. Donc on l'a appelé pour l'authentification, etc. Donc son expertise a été importante. Le premier, il propose une vision synthétique en traitant l'ensemble des productions ibériques et en proposant, dans son essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive, une interprétation globale. Peut-être a-t-il eu l'envie de faire la synthèse avant d'avoir fait l'analyse. C'est un peu l'impression que j'ai. C'est-à-dire qu'il est arrivé trop tôt. On n'avait pas encore fini les fouilles. Celle de Bello continue, je crois. Mais enfin, il a ouvert des voies multiples à la recherche hispanique. Essentiellement par des travaux épigraphiques et par l'affirmation réitérée de la nécessaire pluridisciplinarité. Mon désir était d'attirer l'attention sur l'art et l'industrie des Ibères que la critique ignore ou méprise, dit-il dans son essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive. On peut comprendre que Paris, qui pratiquait une discipline qui se fondait sur des résultats fragmentaires, ait pu être obsédé par la nécessité de la somme et fasciné par la nécessité de proposer une explication globale. À une époque où l'hispanisme est une découverte récente, et ce sera ma conclusion, dans l'école des études hispaniques, Pierre Paris propose une définition très vaste de l'hispanisme. Est hispaniste, quiconque, évidemment, a fait un jour un trou sur le sol de la péninsule ibérique, mais quiconque a travaillé sur la péninsule ibérique. Ce n'est pas la même chose. Effectivement, et à partir de ce qu'il a pu écrire à ce moment-là, et répéter, la Casa de Velázquez a accueilli des contemporanéistes. Donc l'histoire de l'hispanisme contemporanéiste lui doit beaucoup. Sinon, la Casa de Velázquez aurait pu rester, comme l'école d'Athènes ou l'école de Rome, une école d'architecture. Je crois que c'est important de le dire, parce que même si l'hispanisme de Morel Fatio n'était pas une spécialité étroite, même si Bataillon était venu à la péninsule ibérique, peut-être par défaut, parce qu'il avait envie d'aller en Allemagne, mais ce n'était pas la bonne année, comme 1916, c'était difficile d'aller en Allemagne, donc il est venu à Madrid. Il a donc pu se fonder sur cette idée que sont hispanistes tous les chercheurs qui prennent l'Espagne pour objet d'étude. Par la base sociologique, des recrutements qu'elle a opérés, l'école des hautes études hispaniques a prouvé, tout en produisant une élite scientifique, qu'elle n'avait pas fait que la reproduire, mais qu'elle avait joué un rôle d'intégration sociale dans le monde universitaire. Sauf à quelques très rares exceptions, les élites universitaires françaises n'ont pas séjourné à Madrid sans objet précis, comme c'est parfois le cas à l'école d'Athènes ou à l'école de Rome, sauf pour s'imprégner in situ de la culture étrangère. Bref, je crois qu'il est temps de poursuivre l'œuvre de Pierre Paris dans tous les domaines et d'entreprendre pour l'école des études hispaniques
et ibérique, le travail sociologique et prosopographique, donc une biographie collective, réalisée pour l'école d'Athènes, et donc de faire, sur les traces de Pierre Parise, une histoire intellectuelle de cette maison. Bien, muchas gracias al profesor Paul Aubert. Yo creo...